Musicienne, répète avec son groupe avant un concert, elle se découvre un don assez particulier pour la musique. Mélanie Fazi. Cet après-midi-là, nous voilà en train d'installer tout le matériel pour les balances dans la salle encore vide. L'endroit ressemblait à un théâtre avec ses rideaux, ses balcons et ses rangées de sièges. Une lumière jaune et terne les recouvrait comme une couche de poussière. Dans les sièges, en creux, le fantôme des spectateurs à venir. C'était intimidant de les imaginer là. Je me suis placée tout à l'avant de la scène pour me les représenter tels qu'ils seraient tout à l'heure. À moitié plongée dans la pénombre, masquée par les projecteurs braqués sur nous. La chaleur des lumières sur mon visage. Les flaques de couleurs à mes pieds, sur mes mains. Les reflets sur mon violon. Et au-delà de la frontière que marquait le bord de la scène, le public, dont je percevrais le regard sans vraiment le voir. Au milieu des câbles, des amplis, du matériel pas encore entièrement déballé, j'ai sorti mon violon et mon archet pour m'échauffer. Quelques notes pour me mettre en train et tester l'acoustique des lieux. Une de mes compositions, Calliope, un thème qui va crescendo, et autour duquel les instruments viennent s'ajouter, un par un. J'aime l'utiliser pour me mettre dans l'ambiance. Son motif hypnotique me fait l'effet d'un mantra. La mélodie était apaisante à mes propres oreilles. Mes gestes, d'abord approximatifs, retrouvaient peu à peu leur marque. Mes épaules se détendaient, mon dos se redressait. L'assurance de mes doigts se diffusait dans tout mon corps. Je me suis laissée emporter comme à chaque fois. Je ne sais pas pourquoi Calliope m'a toujours fait cet effet. Un morceau composé dans la grâce, comme il m'en vient trop rarement. C'est le premier que j'ai écrit pour le groupe, dans l'euphorie de la rencontre et de l'ouverture des possibles. J'y ai trouvé une nouvelle voix, sans bien savoir comment. Étonnée qu'elle ne se soit pas révélée plus tôt. Le motif gagnait en ampleur à mesure qu'il se répétait et un grand calme m'envahissait. Je jouais pour les sièges vides et le fantôme des spectateurs, pour la salle, la lumière jaune, la scène et les rideaux, pour l'euphorie qui me gagnait. C'était l'archet qui guidait mes doigts plutôt que l'inverse. Et le violon s'emballait peu à peu. Sa voix s'élevait seule dans l'espace, sans les autres instruments pour le soutenir. Calliope sonnait différemment sans eux, un chant nu et beau, lancinant, entêtant. Quand j'ai vu passer les renards, j'ai failli tout lâcher. Si les réflexes n'avaient pas pris le dessus, j'aurais laissé violon et archer s'écraser sur la scène. Mais mes doigts ne m'obéissaient déjà plus. Qui couraient le long des sièges, dans l'allée, en direction de la scène. Trois taches rousses, un peu floues, que je n'ai d'abord aperçues que du coin de l'œil. Mais des renards, sans aucun doute. La lumière paraissait les traverser, comme s'il n'était qu'une projection qu'on interrompt en passant la main devant la source. Ils étaient là pourtant, bien vivants. Et c'était mes premiers. À continuer à jouer. J'avais peur de les effacer d'un coup si je m'arrêtais et de ne plus vouloir y croire ensuite. Trois renards dans la salle et j'étais la seule à jouer. Ils étaient là pour moi, par moi. Arrivés près de la scène, ils se sont figés un instant. L'oreille tendue, enfin je crois, comme s'ils guettaient quelque chose. Musique, est-ce qu'il l'entendait? Est-ce qu'il percevait ma présence? Mais à aucun moment il ne semblait me regarder. Puis le premier a bondi. Les autres l'ont imité. Ils se sont remis à courir, cette fois le long de la scène, en direction d'un des murs, sur ma droite. Lorsqu'ils l'ont traversé, ils ont disparu à ma vue.
seule dans la salle. Je répétais le motif de Calliope, 1 minute, 2 minutes, en espérant les rappeler à moi. Mais ils étaient partis. Je laissais retomber l'archer avec des doigts tremblants. J'ai appuyé ma main contre ma cuisse pour la stabiliser. Alors seulement, je me suis aperçue que mon cœur battait à toute allure. Trois renards, mes tout premiers. C'est une chose de savoir que ça peut arriver. Mais les voir apparaître pour de bon. Heureusement que ça ne s'était pas produit pendant le concert. J'aurais perdu tous mes moyens. J'ai regagné la loge où j'ai trouvé Julia et Zoé en train de décapsuler des bières affalées dans un canapé. En voyant mon expression, elles se sont arrêtées pour me regarder fixement. Ça y est, Zoé, je viens de les voir. Ma voix s'est coincée dans ma gorge. Zoé a ricané avec sa brusquerie coutumière. Non mais Livia, tu vas pas te mettre à chialer. Mais elle s'est levée pour me serrer dans ses bras. Une porte s'est ouverte ce jour-là, celui des trois renards. Quelque chose change de manière subtile quand on a fait cette expérience. On ne joue plus jamais seul. Ils n'apparaissent pas toujours, mais on sait chaque fois, au moment de prendre l'archer, qu'ils peuvent se dévoiler. Même en répétition, on ne joue plus seulement pour soi. On joue tendu vers la possibilité de leur présence. J'ai découvert une forme de traque nouvelle, la trouille absolue dans les quelques secondes qui précèdent chaque morceau. Ne jamais savoir s'ils vont se dévoiler ou pas. Et la frustration anticipée de ne pas pouvoir les atteindre. Ils sont là, mais ailleurs. Les plus intenses. Une synergie différente dès le départ, un dialogue immédiat entre les instruments. Les montées en puissance me prenaient à la gorge. Les envolées gagnaient une légèreté nouvelle. Le public, pourtant pas conquis d'avance, nous renvoyait à l'identique ce qu'on lui donnait. Les applaudissements gagnaient en ampleur à chaque morceau. Je quittais la scène habitée par une euphorie que j'avais rarement connue. J'avais vu un hibou se percher au bord de la scène, puis volter à travers la salle pour aller se poser plus loin. J'avais joué pour lui aussi. Les cordes semblaient plus vivantes que jamais sous mon archer, plus sensibles au moindre de mes gestes. Quand je les ai passées entre mes doigts lors du final de Jackson Square, j'en ai tiré des sons que je ne